Le marché parisien s'offre un beau rebond ce vendredi après trois séances de consolidation. Edenred s'adjuge 4,6% ce midi après avoir réalisé un bon troisième trimestre. Et SFR flambe de 6%. Altice a racheté 5,2% de son capital lors d'une transaction hors marché. Au début du mois d'octobre, l'AMF avait déclaré l'OPE lancée par Altice sur SFR non conforme, entraînant son annulation. Airbus, à l'inverse, échappe au rebond. Kepler Chevreux a dégradé le dossier d'acheter à conserver. Et puis Faurecia baisse de plus de 2%, plombée de son côté par une baisse de 10,6% de ses ventes au troisième trimestre. Le marché automobile européen a poursuivi son ascension, affichant une hausse de 7,2% en septembre. Le mois n'a pas été bon pour le groupe PSA, dont la part de marché recule de 9,9% à 8,7% dans l'Union européenne. Cela permet à Renault de devenir le second constructeur européen, avec une part de marché de 8,9% contre 8% un an avant. La marque Volkswagen, de son côté, progresse de plus de 3% et reste numéro 1 européenne avec une part de marché de près de 11%. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.